Dieu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais vous présenter la X Mini Click 2 de la part de Innotech. C'est une mini enceinte portable. Elle a 50 mm de diamètre et 30,5 mm de hauteur. Le haut-parleur est tout petit puisqu'il fait que 36 mm. Sa puissance audio est de 3 watts. Son haut-parleur est capable de reproduire les fréquences situées entre 160 Hz et 16 kHz avec une sensibilité de 80 décibels. On retrouve une petite batterie en lithium de 400 mAh. Bien entendu, cette petite enceinte fonctionne grâce à une connexion en Bluetooth avec une portée jusqu'à 10 mètres. L'autonomie est de 6 heures pour un temps de charge de 2h30. L'enceinte s'éteint au bout de 5 minutes si tu ne l'utilises pas. C'est très pratique, tu n'as même plus vraiment à l'éteindre puisqu'elle s'éteint toute seule. Lorsque tu es sur ton appareil photo frontal, en appuyant deux fois sur le seul petit bouton qui est situé à l'arrière de l'enceinte, eh bien, tu prends une petite photo en selfie. Tu pourras aussi accepter un appel et raccrocher. Pour faire plaisir, il y a une garantie d'un an. Dans le coffret, on retrouve la petite enceinte, un mini câble micro USB, une notice et une petite lanière pour attacher ton speaker. Ok, c'est super cool. Maintenant, on va tester ça en direct, vous allez voir. Moi, je suis très bluffé, très surpris par la qualité déjà du son. Et vous allez voir au niveau du prix. Waouh, enfin franchement, parmi tout ce que j'ai présenté en enceinte, c'était souvent aux alentours de 30-50 €. Celle-ci elle a 30 €, mais rien à voir, alors que celle-ci elle est toute petite, elle est vraiment minuscule. Je vais vous montrer là tout de suite avec ma jolie petite vidéo en e-paintball que j'ai pu filmer aussi avec mon drone au paintball. C'était super sympa, j'ai ajouté une jolie petite musique et regardez, ça fond. C'est énorme. Ah ok, les basses, c'est normal hein. Mais pour 30 € les basses elles sont pas... Mais... Oh. C'est énorme. C'est énorme. Même limite, avec cette petite enceinte, je vais embêter mes voisins, c'est un truc de fou. C'est fou. Dites-moi ce que vous en pensez, juste en entendant comme ça. Avec la vidéo, en enregistrant, hein, mais en vrai, c'est incroyable. Je suis bluffé, je suis vraiment bluffé. Je pense que tu l'as compris, le son est super bon. Pour une petite enceinte, alors, il y en a d'autres, des petites enceintes, mais le prix est beaucoup plus cher. Et que là, waouh! C'est strictement rien à voir. Celle-ci, je vais la garder toujours dans mon sac. Toujours, mais franchement, même maintenant, je me demande mais pourquoi tu achètes une enceinte comme ça. Et que, bon, ok, peut-être le son, il est légèrement meilleur, mais alors là, peut-être il manque quelques basses. Et encore, franchement, si tu veux te balader et tout, mais ça, c'est vraiment l'outil parfait. Juste pour rappeler, mais ici, en fait, c'est un bouton. On peut voir d'ailleurs que la petite LED clignote en bleu puisqu'elle est connectée en Bluetooth via mon smartphone. Et qu'il suffit d'appuyer longtemps, donc pour éteindre, bien entendu, l'enceinte. Et rappuyer encore, et bien pour l'allumer. En termes de qualité prix, il n'y a rien à dire, je suis vraiment super content. Je vais mettre le lien Amazon dans la description si tu es intéressé, parce que ça peut être un super cadeau. En plus il y a Noël qui approche, enfin le temps passe tellement vite de toute façon, et que après il peut avoir quelques petites modifications telles que un câble micro USB peut-être un tout petit peu plus long et pourquoi pas une petite sacoche, mais waouh. Dis-moi ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Boum! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.